Bonjour à tous. Voici un petit tutoriel pour correctement fixer ces plaques en plexiglas. Vous allez avoir besoin au minimum d'une perceuse, d'un foret de diamètre 4,5, de plusieurs rivets et bien sûr d'une pince à rivets. Le tout est d'ailleurs disponible sur notre site internet. Tout d'abord, il vous faut retirer l'ancienne plaque. Utilisez la perceuse et un foret de gros diamètre, environ 10, pour faire sauter la tête des deux rivets. Ensuite, nous vous conseillons pour un montage propre d'utiliser l'ancienne plaque pour pointer les trous à percer sur la nouvelle. Superposez-les en faisant attention au sens bas et haut de chaque plaque, car les trous sont souvent placés plus haut que le milieu de la hauteur. Puis utilisez un marqueur afin de visualiser l'endroit où percer. Il est important de percer les plaques par l'arrière pour ne pas endommager le film et ainsi obtenir des trous impeccables. Utilisez le foret de 4,5 légèrement plus large que les rivets. C'est seulement le perçage terminé que l'on doit retirer la protection plastique des plaques. L'utilisation de la pince à rivets est très simple. Il vous suffit de rentrer la partie la plus fine du rivet dans la buse. Assurez-vous que la tête soit bien en appui contre celle-ci. Dernière étape, placez la plus large partie du rivet au travers des trous de la plaque et du pare-choc. Serrez plusieurs fois la pince jusqu'à ce que la tige du rivet casse. Et voilà, l'opération est terminée, vos plaques sont montées. Retrouvez-nous sur www.plaquimmatriculation-24h.com.